monsieur, merci de votre fidélité à Télé 7. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore dans le cadre de cette émission Entretien. Nous allons le consacrer essentiellement à l'économie. L'économie aujourd'hui dans notre pays, ce sont des nouvelles plutôt bonnes qui nous viennent du gouvernement à travers les indicateurs du cadre macroéconomique qui sont au vert. Et là, c'est il y a 2 semaines. Le président de la République a donné le coup d'envoi des travaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo, un projet sur lequel tout le monde, en tout cas surtout dans la partie ouest du pays, fonde ses espoirs justement parce qu'il va créer de l'emploi, il va essayer de permettre à la ville de Kinshasa et pourquoi pas les villes environnantes d'avoir beaucoup de denrées alimentaires qui seront produites sur les lieux. Et pour essayer d'analyser toutes ces questions, nous vous avons fait venir sur ce plateau Monsieur Hubert Bunga, expert en économie internationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être revenu sur le plateau d'entretien. Monsieur Bunga, le parc agro-industriel de Bukangalonzo, hier, était en phase de projet. Mais aujourd'hui, on peut dire que le projet a commencé. Et dans l'imaginaire collectif, beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi un parc agro-industriel? Bon, je ne pense pas qu'il serait opportun pour moi de lui donner une connotation politique. Oui. Je préfère le circonscrire Ouais. dans l'économie congolaise courante en tant que telle. Une économie congolaise dont le diagnostic que j'en ai fait est d'une petite économie aux larges potentialités. Petite économie, pourquoi? Parce que les potentialités n'ont pas encore été suffisamment valorisées économiquement. La preuve que nous puissions appeler petite économie, regardez, les budgets ne dépassent rarement 10 milliards de dollars. Nous sommes en train d'y aller. Regardez les banques, l'intervention, les financements à l'économie, très faibles pour la taille et les dimensions du pays et de notre économie. Regardez l'incidence de l'industrie bancaire sur l'économie en tant que telle. Elle est très faible. Cependant, le tout tombe sur ce que j'appelle la chaîne de la valeur. La chaîne de la valeur de l'économie congolaise est trop courte. Par chaîne de la valeur, je veux parler de la procédure de valorisation de toutes nos ressources naturelles, de l'état brut au produit fini. L'intervention de l'économie congolaise, donc la chaîne de la valeur de l'économie congolaise, est trop courte. Si je prends les secteurs forestiers, nous exportons le bois en état d'agrumes avec écorce. Donc, la valeur ajoutée créée est insignifiante, juste au niveau de la coupe, du transport et de la manutention. Or, la chaîne de la valeur du bois amène jusqu'au produit fini, le meuble que nous avons. Et nous n'intervenons qu'au niveau de la coupe. Donc, tous les maillons de la chaîne qui produisent le plus de valeur ajoutée sont exportés. Donc, nous exportons le travail des nationaux pour importer le chômage de l'extérieur. Parce que pour consommer, pour meubler nos bureaux et nos maisons, c'est le même bois que nous achetons dans l'état meuble. Donc, nous ne profitons pas de la valeur ajoutée créée par la chaîne de la valeur de toutes nos ressources. Il en est de même dans les secteurs miniers. C'est la même chose.
Voilà ce qui fait que notre économie est petite. Cette chaîne de la valeur est très courte. L'intervention sur le processus est très courte. Il y a deux autres paramètres à inclure dans la faiblesse de la chaîne de la valeur congolaise. La qualité des facteurs de production qui sont inclus dans la chaîne de la valeur est très basse. Et ceci réduit la densité de la chaîne de la valeur congolaise. À cause des facteurs de faible qualité qui y sont inclus, nous arrivons à une très faible intensité à la production de cette chaîne de la valeur. Quand je parle de l'intensité à la production, je veux signifier la qualité des produits que nous exportons. Quelle qu'en soit la quantité, la valeur est minime. C'est pourquoi ça ne rapporte rien à l'État. Presque rien, je veux dire. Effectivement. Alors, et quand le bois sort juste avec comme valeur ajoutée la coupe, le transport et la manutention, vous voyez ce que ça... Il y a de quoi comprendre que notre budget soit encore au stade actuel. Mais maintenant, nous revenons à notre sujet. Le parc, justement, agro-industriel qui vient d'être inauguré, dont les travaux sont actuellement en cours, avec 80 000 hectares, 80 millions de dollars de départ dépensés pour l'investissement, justement, des travaux qui inaugurent ces grands programmes. Alors, je vous ai demandé en ouverture, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre par ce parc-là? Est-ce que c'est un assemblage de beaucoup d'industries ou plusieurs activités ou plusieurs opérateurs? Voilà ce que je veux savoir. Ok, vous venez de le définir. Parlant de parc comme de parc naturel, vous voyez ce qu'on retrouve dans le parc naturel. La diversité des espèces, de la biodiversité qu'il y a. Les animaux, la végétation et la flore. Parlant d'un parc agro-industriel, on parle d'un espace, d'un air réservé à l'activité agro-industrielle où se retrouvent les opérateurs économiques de plusieurs secteurs à la fois. Donc, il y a la contingence des activités économiques sur base de l'activité agroalimentaire. Donc, la base, c'est l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Et quand on parle de l'agroalimentaire, entendons beaucoup des cultures, de tout ce qui peut constituer la base de la sécurité alimentaire. Il y en a dont la transformation va de la production jusqu'à la conserverie et d'autres qui passent par la consommation directe ou intermédiaire. Il y en a qui sont considérés comme produits finis une fois produits et il y en aura qui seront considérés comme matière première pour d'autres industries. Donc, entendons parc agro-industriel en termes de la diversité de l'activité agricole qui sera et industrielle qui s'en suivra. Alors, partant de là, quelle peut être son incidence par rapport à l'économie congolaise dont les données indiquent que véritablement elle est en train d'aller de l'avant? Quelle sera l'incidence de ce parc, ses activités, son apport sur le développement de l'économie congolaise? Dans le diagnostic de l'économie congolaise, nous avons parlé du goulot d'étranglement qui est la qualité de la chaîne de la valeur. Et le parc, nous avons parlé nous venons de parler de la diversification de l'activité qui sera déployée. Or,
pour améliorer la chaîne de la valeur de l'économie congolaise, nous avions parlé de la créativité. La créativité qui devait se conjuguer dans l'innovation, la diversification et la création. Et vous voyez très bien que Bukangalonzo, en tant que parc agro-industriel, repose sur cette base de la créativité, d'où nous allons trouver la diversification de l'activité agro-industrielle et de la production agricole elle-même. Je vais ajouter une autre chose. Notre économie souffre d'un certain enclavement. L'enclavement économique, je veux dire que nous étions restés une économie presque monoproduit. Donc le noyau, on n'était pas sorti du noyau qui a été développé par la colonie. Et nous sommes restés longtemps dessus, au point où l'inactivité, le manque de créativité a fait dans le domaine agricole, par exemple, que nous devenions dépendants de l'extérieur. Pour les fibres, l'activité cotonnière est tombée complètement. La production de l'huile de palme tombée complètement. Nous sommes alimentés maintenant par les huiles importées. Complètement, on était complètement tombés. Mais cette diversification qui vient va désenclaver les secteurs agricoles. Et les contingences vont faire que, c'est comme pour un pont par exemple, j'ai travaillé dans un projet de développement rural intégré dans le Nord Katanga, c'était un projet de l'USAID, le projet Nord Chaba. L'aire du projet était délimitée à deux zones, la zone de Kongolo et de Nyunzu. Mais dans les travaux, nous avons jeté un pont qui a relié l'aire du projet au territoire de Kasongo. Les prévisions du projet, qui étaient de 5000 tonnes de maïs à la fin de la deuxième année, sont passées à 9000 tonnes à la troisième année. À cause tout simplement du l'amélioration des infrastructures. Alors vous voyez, si on amène à Bukangalonzo la production du maïs, de sorte à ce que de Bandundu, ils viennent des sacs de maïs de 25, de 50 kilos. Non, des sacs de farine, parce qu'il y aura la production. Pour le maïs, par exemple, il ne pourra en partir que la farine. Même la plupart, il y aura même des conserveries qui seront là, la transformation. Vous voyez un peu, on n'aura pas besoin que des agronomes. On n'aura pas besoin seulement que des agronomes à Bukangalonzo. On aura besoin des mécaniciens d'un très haut niveau, des opérateurs des engins agricoles et des engins agricoles et des engins routiers. Et tout ceci va demander la présence des spécialistes et des fournisseurs de pièces de rechange de tous ces engins-là. Vous voyez que là, nous nous retrouvons déjà dans le secteur d'approvisionnement des pièces de rechange, dont on ne parle pas dans l'agriculture. Donc, comprenez là que nous sortons, plutôt qu'abandonner l'agriculture à la seule pluviométrie, nous avons amené, avec Bukangalonzo, on amène notre agriculture à la diversification, la création, ainsi de suite. Et vous verrez que la petite économie, aux larges potentialités, risque de doubler, de passer de sa croissance, c'est très sûr, parce qu'on parle de 11 parcs comme ça. Jusqu'à présent, dans chaque province, il y en aura un.
si on en a comme ça, ça ne sera pas seulement pour la consommation locale. L'autosuffisance alimentaire et l'exportation. Eh bien, il y a nos voisins qui vivent de nos produits. Oui, il y a le gouvernement, justement, le Premier ministre, après la rencontre de lundi lors de la Troïka, a décidé finalement à donner des instructions précises pour que finalement les opérateurs privés puissent intervenir massivement, comme vous dites, dans cet environnement pour y apporter leur expertise, notamment en ouvrant des activités qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet. Mais cela demande des financements. Mais en ce qui concerne les PME locales, est-ce qu'elles ont la possibilité ou le moyen financier de concourir dans ce genre de marché? D'abord, je termine avec les 11 parcs. Oui. À venir, l'incidence sur la croissance sera très forte. C'est un désenclavement. Et l'incidence sur la croissance sera très forte. Voilà. Et ceci sera un grand pas de notre économie, tel que nous avons parlé d'une petite économie. C'est juste question de la valorisation de toutes ces ressources. Et nous passons très bien à une économie moyenne tendant vers l'émergence. Vous venez de poser une question sérieuse, celle du financement à l'économie. Vous voulez parler du financement des PME. Ouais, ouais. Et là, vous voulez me poser la question sur le crédit bancaire. Parce que le parc n'aura pas comme opérateur seulement l'opérateur public, non. Le secteur privé est appelé, tant local qu'étranger, à venir développer le parc, à venir exploiter les potentialités qu'offre le parc. Les financements, le domaine des financements pose des problèmes. Dans l'une de nos publications, nous avons parlé de la nous avons d'abord parlé de la bancarisation de l'économie congolaise et puis de la désintermédiation financière. La désintermédiation financière, à l'opposé de l'intermédiation bancaire dans le volet financement qui est le crédit à l'économie, exclut le financement traditionnel de l'économie par le crédit bancaire. La désintermédiation financière, c'est pour enlever tout simplement l'intermédiation bancaire, l'intermédiation par la banque traditionnelle dans le financement de l'économie. C'est-à-dire instaurer une procédure de mobilisation de financement à l'économie en passant directement de ceux qui détiennent l'épargne prête à investir à ceux qui en ont besoin pour financer les investissements, financer les entreprises, telles que vous venez de parler des PME maintenant. Mais ceci manque encore dans notre ça pays. C'est là, tout le problème de marché financier, finalement, vous voulez. Ça, c'est là où nous allons. Nous sommes sur un espace économique en voie d'intégration. Nous avons parlé de la SADC. La dernière fois, nous avions parlé de la SADC sur ce... Et même du COMESA. Le COMESA, ouais. Et tout. Et dans notre sous-région, nous avons déjà des bourses de valeur. Nous ne devons pas beaucoup attendre pour nous y jeter. Parce que le financement par la banque pose beaucoup de conditions. L'État souhaite que ça puisse se faire, mais les banques sont des opérateurs commerciaux. Oui. Ils doivent faire des bénéfices. L'argent a un coût, et celui qui accepte ce coût-là doit réaliser un bénéfice. C'est ainsi que je glisse une parade. Le développement est la charge du gouvernement, mais le bénéfice commercial... C'est ce qui motive les opérateurs économiques. Les banquiers sont des opérateurs économiques. La bancarisation, c'est un problème du gouvernement. Mais
La matérialisation de la bancarisation concerne les opérateurs bancaires qui ne sont attirés que par le potentiel d'intermédiation, laquelle intermédiation doit leur rapporter quelque chose. Mais avoir aussi le volume de leurs activités. Aujourd'hui, quand on regarde les institutions de crédit que nous avons ici, apparemment, ce ne sont pas vraiment des maisons capables aussi de pouvoir absorber cette grande demande que nous avons au pays. Qu'est-ce qui explique cela? Ok, le problème d'abord, c'est les fonds disposés au financement à l'économie. C'est une partie des dépôts mobilisés par ces institutions et gardés et sécurisés par la banque avec la formule de la réserve obligatoire. Oui. Et vous savez que les dépôts sont d'un niveau faible dans notre économie. Ils sont en train de monter, mais c'est faible. C'est pourquoi l'État insiste sur la bancarisation pour essayer de déployer davantage l'activité bancaire et développer la culture bancaire sur notre espace économique, de sorte à ce que toutes les opérations, toutes les transactions économiques puissent se dérouler dans la banque, et que nos populations puissent s'accoutumer, puissent fréquenter les banques. Et quand l'intermédiation, les services bancaires seront d'un niveau appréciable, les niveaux de dépôts auront sensiblement augmenté et les fonds libres pour le financement à l'économie auront augmenté, ça sera beaucoup plus mais facile. Mais qui dit crédit voit confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des expériences tristes du passé avec les acquéreurs et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, cette confiance existe encore qu'une maison, un établissement, par exemple, puisse accorder des crédits à des opérateurs pour financer même le PME ou les PMI? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui dans ce pays? J'ai jeté un coup d'œil aux différentes décisions de baisse de taux directeurs de la Banque centrale. Oui. La tendance est baissière depuis 2002, sensiblement baissière. Mais c'est le taux directeur qui fixe normalement les niveaux des taux appliqués dans les par les secteurs bancaires. Oui. Mais les secteurs bancaires ne semblent pas suivre ça. Ils sont confrontés à ce que tu viens de relever comme problème. Le problème de la confiance. Le coût, c'est ce qui fait que le coût du crédit ne soit pas vraiment aligné sur la politique conjuguée par la Banque centrale. Ceux qui sont sur terrain sont confrontés à ce problème. Pendant la décennie des années 90, disons depuis la décennie des années 80, l'hypothèque immobilière était restée la seule garantie à laquelle se référaient beaucoup de banquiers. Mais nous avons vu ce que les pillages ont fait des immeubles. Donc, le banquier a perdu confiance dans le secteur immobilier. Et la plupart des immeubles chez nous, par la défaillance du système juridique d'enregistrement des propriétés, a fait que beaucoup d'immeubles chez nous n'avaient pas de certificats d'enregistrement, ce qui n'en faisait pas de capitaux. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas les accepter en tant que garantie bancaire, donc ils ne pouvaient pas être considérés comme capital économique. Et par capital économique, je vais dire un bien susceptible de produire encore des richesses. Oui. Quand vous l'hypothéquez à la banque vous donne de l'argent, vous produisez. Donc tout ceci font que les banques ont sollicité à un certain moment donc une garantie
donné par une banque extérieure pour obtenir un crédit auprès d'une banque locale. Donc vous avez besoin d'un crédit extérieur pour obtenir un autre. Et ceci a frappé sensiblement la classe moyenne chez nous. Et c'est ce qui a fait qu'à un certain moment, l'économie puisse se retrouver entre les mains des étrangers. Parce qu'au niveau local, il n'y a pas... Alors, M. Punga, on va finir par là, mais quand je lis parfois vos publications, vous faites souvent une différence entre l'agroalimentaire à l'agriculture et l'industrie pétrolière à l'exploitation pétrolière. Vous pouvez un peu expliciter ces deux notions. OK. C'était toujours dans le souci de l'amélioration de la chaîne de la valeur. J'ai commencé à... De par mon expérience, j'ai évolué depuis l'agriculture. J'ai travaillé avec les pygmées comme main d'œuvre jusqu'au sommet où je suis arrivé. J'ai vu qu'à un certain niveau, l'agriculture était abandonnée à la pluviométrie. On a lutté même contre la mécanisation de l'agriculture. Le problème se posera sur Bukangalonzo, mais ne craignez rien. Ces gens ont l'expérience de là où ils sont venus. Les Sud-Africains. L'utilisation des engins, une agriculture mécanisée, modifie la texture du sol. La texture du sol qui est un atout pour la production agricole. Mais nous devons suivre la modernisation de l'agriculture. Il y a tout ce qu'il faut pour éviter ce blocage-là. L'agriculture et l'agroalimentaire. Donc l'agriculture, c'est un secteur d'activité agricole. L'agroalimentaire, c'est élever l'agriculture au niveau industriel. Donc de la production au conditionnement, à la transformation, jusqu'à l'industrialisation. Donc, la transformation, c'est déjà l'industrialisation qui va drainer l'exportation. Il en est de même de l'exploitation pétrolière, du secteur pétrolier. Nous exportons le pétrole brut. Et où il va, la transformation et toute la pétrochimie, les secteurs, la production du plastique. C'est ça, ce à quoi on doit arriver. Le Venezuela, comme le Brésil sera positionné, si pas le deuxième, il sera le troisième, développé, au lieu d'être parmi les grands exportateurs du pétrole, le Brésil s'est dit de développer l'industrie pétrolière. Les États-Unis produisent du pétrole. Quand vous regardez dans les statistiques mondiales, vous trouverez qu'ils sont parmi les grands importateurs, mais ils n'exportent pas. Les exportations de l'Amérique, s'ils vendent leur production sur d'autres territoires, à l'extérieur dans le monde, oui, mais ils n'exportent pas le pétrole. Ils en ont développé une industrie qui est allée très loin. Savez-vous que même la pharmacie utilise les produits pétroliers? La construction et tout. La chaîne de la valeur doit être longue. Nous devons cesser l'exportation des produits. Nous exportons des conteneurs pour importer une chaise. Non. Merci, M. Hubert Mpunga, vous l'avez compris. Il reviendra de temps en temps quand il en aura le temps, parce qu'il voyage beaucoup, il donne des conférences à travers... le monde, chaque fois que nous aurons la possibilité de l'avoir, viendra pour expliquer, parce qu'en fait, l'économie, c'est ça même, dit les nerfs de la guerre, parce qu'une paix, un pays qui n'est pas économiquement au point sera dans une situation telle que celle que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Et je crois que même la politique ira d'elle-même, si jamais demain, il y a du pain, il y a à manger, et que les gens seront dans de bonnes conditions. Monsieur Hubert Mpunga, merci beaucoup. Pour votre intervention, nous allons vous recevoir lors d'une autre émission, toujours avec le même plaisir. Je serai toujours à votre disposition et à la disposition de nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. Le rendez-vous est pris pour la fois prochaine. Dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Merci, au revoir.